la connaissance, amour et la sagesse. Il est dit avec raison que la connaissance est un pouvoir, quoi qu'elle ne soit en elle-même ni bonne ni mauvaise. La connaissance peut s'employer d'une manière ou d'une autre. Le génie montre une tendance à la connaissance. Mais ce génie peut être bon ou mauvais. Nous pouvons parler d'un génie militaire qui a une connaissance merveilleuse des tactiques de guerre. Mais un tel homme ne peut être vraiment bon, car il est tenu d'être son cœur et destructeur dans l'exercice de son génie. Un homme de guerre, qu'il soit Napoléon ou un simple soldat, peut jamais être sage, car il doit délibérément comprimer tous les sentiments élevés dont le cœur est le symbole, pas ailleurs. Un sage gouverneur peut avoir un grand cœur ainsi qu'une intelligence puissante qui s'équilibre mutuellement et sévèrement les intérêts de son peuple. Même la plus profonde connaissance religieuse ou occulte n'est pas la sagesse, comme nous l'enseigne Paul dans l'Inoubliable, le 13e chapitre de sa première épître aux Corinthiens, où il déclare en haute combien même j'aurai toute la connaissance de quoi résoudre tous les mystères. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est seulement lorsque la connaissance est unie à l'amour que l'amalgame produit la sagesse. Expression du principe critique et deuxième phrase de la divinité.